Alors, je m'appelle Elsa Bouchard, je suis designer. Moi, je fais du design responsable, mais j'essaie de travailler des matériaux que je choisis, que ça soit respectueux de l'environnement. J'aime bien dans mes projets faire raconter une histoire. Pour moi, les objets, ils ont une âme et ce n'est pas simplement des objets, c'est des objets qui sont affectifs et qui parlent d'eux-mêmes. Et souvent, ce que je fais, c'est très, très visuel. Alors, bah, pareil, c'est jamais la même chose. Souvent, c'est la nature. Pour les mains, en fait, je suis vraiment partie de la technique de marqueterie que j'avais un peu en tête à la base. Je me suis inspirée des mains, des doigts de la chapelle Sixtine. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Et je regardais beaucoup les gestes des mains et les gestes des artisans, parce que c'était aussi l'histoire que j'avais envie de raconter. J'ai tout simplement commencé à dessiner des mains. Et après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de la marqueterie? Pourquoi ne pas sublimer certaines parties des doigts qui vont expliquer le geste? Et en fait, c'est vraiment, ça s'est construit petit à petit. Ça s'appelle de bonnes mains. Et donc, c'est des patterns murales. Donc, ça peut servir de décoration, mais ça peut aussi servir à accrocher des chartes. L'idée, c'est de sublimer les mains des artisans qui les auront fabriquées à travers différents gestes, que ce soit le geste de toucher, un geste de fabriquer. Mais j'ai choisi d'orner certaines parties de la main avec différentes matières, comme des bijoux. Hybrid, c'était une marque que je connaissais déjà, que j'aimais beaucoup. Et on s'est rencontrés au speed dating du French Design. Et tout de suite, ça a matché. Et en fait, le projet s'est passé hyper rapidement. Je crois qu'en quelques mois, on avait abouti l'idée. J'espère que cette collaboration va continuer avec d'autres sur vos projets.